Dans un ouvrage consacré aux coulisses de la série The Big Bang Theory, l'actrice Mayim Bialik révèle un détail concernant la fameuse peinture des personnages de Penny et Amy. Et c'est assez drôle. Même si vous êtes très fan de The Big Bang Theory, vous n'avez sans doute pas remarqué ce petit détail. Dans The Big Bang Theory, The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, ouvrage de Jessica Radloff consacré aux coulisses du show culte, l'actrice Mayim Bialik lève le voile sur un petit secret lié à la fameuse peinture qui met en scène son personnage d'Amy et celui de Penny, Kaley Cuoco. Selon Mayim Bialik, la main que Lon voit sur l'épaule de Penny ne devait initialement pas figurer sur la toile. Elle a été ajoutée au tout dernier moment, basée sur aucun modèle, raison pour laquelle elle semble pour le moins disproportionnée. La première fois que Jai vu la peinture, la taille de la main était carrément choquante, elle est vraiment énorme, déclare Mayim Bialik. Kaley et moi avons posé pour quelques photos sur lesquelles le peintre s'est basé, mais ma main n'était à l'origine pas sur son épaule, ça a été ajouté. Si vous regardez de très près, ça ne ressemble certainement pas à une main de femme, poursuit la comédienne. Ce n'est clairement pas ma main. À chaque fois que je regarde cette peinture, tout ce que je vois, c'est cette main géante. Géante comme la somme déboursée par Amy pour acheter cette œuvre célébrant son amitié avec Penny, 3 000 $ tout de même, quand les Simpsons empruntent le générique de The Big Bang Theory, vous connaissez la chanson par cœur. Redécouvrez le thème de The Big Bang Theory remanié à la sauce Simpson.